c'était moi une. Bon, bah, puisqu'il pleut, nous, on va se remettre à lire. Non, mais c'est quoi cette obsession pour la lecture? Je me fais du souci pour Pop. Ils arrêtent pas de lui sauter dessus. Mais quoi? Tu vois pas qu'il pleut? Ça veut dire que nous devons faire ce que l'on fait les jours de pluie. Quoi? Ces jeux débiles auxquels on jouerait jamais si on pouvait sortir? C'est vraiment pas amusant. Non, on n'y joue pas pour ça. On y joue parce que c'est notre devoir solennel. C'est maintenant que quelqu'un doit demander pourquoi. Non, ça va. Sois sympa, demande-moi pourquoi. Pour moi. Pourquoi? Pas intéressant, mon pote. C'est super, je vous promets. J'ai dit, demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Oh, ça t'intéresse, c'est gentil, change-la. Tout commence avec la pluie. Alors, quelqu'un sait-il d'où elle nous vient, cette pluie? Moi. Nous t'écoutons, Raven. Eh bien, lorsque l'eau s'évapore, l'air, lui, se dilate, puis refroidit. La vapeur ralentit, puis se fixe sur de toutes petites particules dans l'air. Ce processus continue, les gouttes grossissent jusqu'à subir l'effet de la gravitation, et il pleut. Oui, c'est du n'importe quoi. Où t'as appris ça? Dans un bouquin? Tu vois, la pluie, en fait, c'est tout simplement les larmes des nuages. Quand ils sont tristes, ils pleurent, ce qui fait que sur Terre, il pleut. Et quand ils pleurent, la seule façon de les consoler est de rester à la maison et de faire des activités d'intérieur. Oh, les nuages sont tristes. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Faut qu'on les console. Nous sommes prêts à tout. Ah, j'en attendais pas moins de vous. Et ouais, c'est comme ça que commence une journée de pluie, les gars. Allez, on lève tous les bras, comme ça. Wouhou, c'est bien, allez. Vous êtes prêts? Et c'est parti, mon kiki. La danse des spaghettis. Il faut qu'on cuise dans la casserole. Comment? Dans la casserole. Ça devient chaud, devient chaud. Oh, Burk, je suis tout mou, je suis tout mou. Al dente. Et c'est comme ça qu'on fait la danse des spaghettis. À vous, les gars, venez danser. Je suis coincée en position recroquevillée. J'adorerais consoler les nuages, mais pas au prix de ma dignité. Bon, allez-y, mais je me demande comment je vais faire pour boire seule cette excellente boisson chocolatée. Oh, dis donc, tu possèdes du lait marron? Oh, ça vient de la cafétéria. C'est pour alimenter nos activités les jours de pluie. Oh, vous en voulez peut-être? S'il te plaît. C'est le mot. Amis, les nuages ont besoin qu'on les console. Activité jour de pluie. Maison en bâtonnet de bois. Volcan de bicarbonate de soude. Devinette. Jeu du pendu. Cache-cache. J'aime vraiment de plus en plus ces activités d'intérieur, moi. Malheureusement, les nuages pleurent toujours. Ils sont plus tristes que ce que je croyais. État des nuages, calcul. Super déprimé. J'ai déjà rencontré une fois un désespoir de type cumulus. C'était pas beau à voir. Nous n'avons pas le choix. Alors, tout le monde est prêt? Wouh! La danse des spaghettis. Tout le monde dans la casserole. Je ferai jamais la danse des spaghettis. Jamais. Jamais! D'accord, j'ai compris. Vous n'êtes pas prêt pour la danse des spaghettis. Il n'existe qu'une seule autre option, mais c'est très dangereux. Tête en l'air, gardez l'air! Mais c'est pure folie! De la folie pure! Robin, crois-moi, tu demandes l'impossible. C'est trop risqué, mon pote! Et même si on était d'accord, et c'est un très grand si, on n'est malheureusement pas assez nombreux. Laisse-moi faire, je vais arranger ça.